C'était à Paris, lundi dernier, au gymnase Japy, un meeting organisé en solidarité avec Syriza. Plusieurs milliers de participants y étaient venus proclamer leur solidarité active en faveur du parti de gauche radicale grec. Parti qui devrait gagner les élections législatives ce dimanche et permettre aux Grecs d'en finir enfin avec les plans d'austérité de la Troïka européenne qui leur ont fait tant de mal. Un événement historique ? Ça serait la première fois que l'autre gauche, c'est-à-dire celle que nous représentons ici, non seulement domine le Parti Socialiste très nettement, puisque le PASOK est en voie d'être peut-être éliminé, mais en plus de ça, gouverne un pays avec des propositions anti-austérité et contre finalement la politique libérale. Donc c'est vraiment une ouverture, ça sera une ouverture historique. C'est une possibilité historique de voir advenir un mouvement politique qui mène à dessein son pays vers une voie qui est aux antipodes de l'austérité et du contrôle social. Une possibilité historique dont Syriza a pris parfaitement la mesure, au point d'endosser une certaine responsabilité de l'avenir des gauches radicales européennes. Nous avons le sentiment que nous devenons le miroir de l'avenir de l'Europe. Parce que exactement deux visions de l'Europe se confrontent maintenant en Grèce. Une vision qui veut la continuation de ces politiques de la misère sociale et une autre politique différente qui veut que l'Europe se retrouve les racines sociales, ses racines des droits et des libertés. Une victoire de Syriza dimanche prochain peut-elle créer un effet domino ? C'est l'espoir que partagent certains leaders de la gauche radicale. Dimanche, Syriza peut gagner et nous savons tous ce que nous attendons de cette victoire. Une page va se tourner. Nous en aurons fini avec l'abjecte situation que nous connaissons depuis maintenant tant d'années et pour les Grecs au moins depuis 2010, le martyr des peuples pris à la gorge pour acquitter uniquement les intérêts des banques, pour un jeu d'écriture, une dette impayable, mes amis, qui ne sera jamais payée, ni en Grèce, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en France. Nous voulons une autre politique en Europe, comme nous voulons une autre politique en France. Et ce n'est pas une incantation. Ce n'est pas une incantation. Si Syriza gagne, puis Podemos en décembre, nous aurons du vent dans les voiles pour porter en France et en Europe la voie de la transformation sociale et écologique. Si Syriza gagne dimanche, puis Podemos en décembre, nous aurons davantage de possibilités de convaincre du bien fondé d'un programme de rupture. C'est donc confiant et déterminé que Syriza aborde ses législatives anticipées le 25 janvier prochain. Chers amis, chers camarades, le dimanche, nous allons gagner. Nous allons gagner pour la Grèce, nous allons gagner pour l'Espagne, nous allons gagner pour la France, nous allons gagner pour l'Europe. Résistance, résistance et victoire. Une victoire qui, au vu des derniers sondages, semble désormais acquise.